C'est Profiler. Aujourd'hui, pour un petit tuto pour vous montrer comment craquer Windows 7, enfin l'activer plutôt. Donc on va commencer. Juste avant, excusez-moi pour le bruit, hein, c'est mon PC qui est en train de travailler là depuis exactement 5h42 sur Cinema 4D. Vu qu'il n'est pas hyper puissant, c'est un peu la galère. Donc, enfin bref, on va faire abstraction du bruit. Donc, on va commencer. Donc, vous ouvrez Internet. Et vous tapez Windows Loader, toute version. Donc, ensuite, vous allez sur ce lien-là, télécharger Windows Loader, version 2.1.2. Vous cliquez dessus, pardon. Vous retrouvez sur la page là, et là vous descendez et vous prenez, vous allez jusqu'à téléchargement et vous prenez, je suis vraiment désolé, ça bug vraiment pas mal, et vous prenez ce lien là, hotfile. Donc vous cliquez dessus, vous cliquez sur normal télécharger, vous attendez les 15 secondes. Et oui, quand c'est en version gratuite, il faut attendre 15 secondes, c'est un peu le bordel, mais bon, on va pas non plus payer pour ça, on peut attendre 15 secondes. Donc voilà, une fois que le téléchargement est fini, vous cliquez sur cliquez ici pour télécharger. Donc ça va télécharger super rapidement, hein. Moi ça m'a mis 5 secondes. Et je vous dis encore, enfin, mon ordi est en train de travailler, donc c'est la misère. Donc voilà, on attend qu'il se finisse. Et puis on l'ouvre. Donc moi c'est avec WinRAR. Donc tout ça vous pouvez fermer. Vous allez extraire votre dossier sur votre bureau ou n'importe où vous voulez l'extraire. Vous l'ouvrez. Donc Windows Loader est sur Windows Loader, le dernier. Donc vous double-cliquez dessus. Là vous faites oui. Attendez que le petit programme s'ouvre. Vous pouvez fermer ça. Vous attendez que le petit programme s'ouvre. Il ne devrait pas tarder. Normalement il s'ouvre tout de suite, mais c'est toujours pareil, vu que mon ordi est en train de travailler, c'est un peu la merde. Je vais essayer de le refaire quand même, parce que c'est pas normal qu'il mette autant de temps. Je vais l'exécuter en tant qu'administrateur. Ah bah il est là, voilà. Donc vous allez vous retrouver sur cette page là. Et là vous avez plus qu'à cliquer sur install. Donc moi je vais pas le faire, hein, puisque... Moi, il est déjà fait, donc vous cliquez sur install, le petit programme va s'installer et vous allez redémarrer votre PC et Windows sera activé. C'est aussi simple que ça. Voilà, donc pour moi c'est fini. Si vous avez des questions ou autres, n'hésitez pas à en poser, j'essaierai d'y répondre le plus rapidement possible. Puis bien sûr, toujours un petit like, ça fait plaisir. Allez, ciao tout le monde.